Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important de raconter ça? Oui. Est-ce que pour vous, c'est Parce votre que manière d'en sortir d'Auschwitz? Parler, raconter, je expliquer? Je sortirai jamais d'Auschwitz. Je ne crois pas. When I was a little girl, I always saw my grandmother's tattoo. And I thought that it was the most normal thing. I mean, I grew up hearing words like concentration camps and Mengele and ghetto and gas chambers. But even though I knew that my grandmother was an Auschwitz survivor, I kind of didn't want to hear about all of that. Elle a passé une bonne partie de sa vie à témoigner et à retourner au camp avec des étudiants, avec des journalistes, à faire des conférences. Oui. Puis quel était son but? Je raconte ça aux jeunes, qu'ils comprennent enfin tout ce que peut arriver si on adhère à des régimes comme le régime hitlérien et des autres. À un certain moment, vous parvenez à sauver votre vie, en fait, en acceptant de devenir la traductrice de Mengele. Pas en acceptant, on ne m'a pas demandé mon acceptation. Qu'est-ce que c'est d'être fille d'une rescapée? Disons que ça vous enlève une certaine liberté de vivre. Vous avez envie de faire confiance aux gens, à la vie, mais vous savez toujours que ça, c'est possible. Le ghetto de Benjin a été entièrement clôturé fin 41. Tout a été englouti dans une mer de haine et de feu. J'ai vu Himmler de près. C'était un homme insignifiant. J'étais à Auschwitz, dans ce lieu où on gazait les Juifs. Ils avaient des mitraillettes. Ils criaient « Deutsch, Deutsch, vous êtes libre. Nous vous libérons. » Oui, mais elle a survécu pour que tu ne le vives pas. Et pour que toi, tu puisses vivre. C'est une résistante. Elle a résisté. Un mensch, c'est quelqu'un qui est respectable, qui est tolérant. Tous les ans, je parle d'elle à mes élèves. Tous les ans, je donne des bribes de son témoignage dans mes classes. Il faut recommencer le travail tout le temps. Il faut enseigner ça aux futures générations. Ce dont on a besoin, c'est du dialogue. Apprendre à se connaître. Vous êtes grand-mère aujourd'hui, vous avez une petite fille, un petit-fils. Oui. Est-ce que vous voulez leur dire un message?